Si est-ce toujours le stress à la fin d'une location? Cet été, Camille Combal a perdu de l'argent après avoir occupé une maison dans le sud-ouest de la France, à Haussegore. Il en a dit plus sur cette mésaventure sur RTL. Interviewée par RTL le 2 septembre 2023, Camille Combal a évoqué ses vacances d'été face à Éric Dussard dans son émission On refait la télé. Parti dans le sud-ouest de la France, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a eu quelques soucis avec la maison qu'il a occupée pendant son séjour. Apparemment, la propriétaire aurait été mécontente du comportement de l'animateur, à tel point qu'elle aurait gardé sa caution à la fin de ses vacances. J'ai passé un très bel été, c'était cool, j'étais à Haussegore, j'ai passé un bel été, sauf que la dame nous a gardé la caution de la maison, a expliqué l'ancienne acolyte de Cyril Hanouna. Vous avez tout détruit? Lui a demandé Éric Dussard. Pas du tout, on a été hyper cool, mais voilà, on se dit tout le monde veut partir en vacances avec moi, mais si est-ce pas forcément vrai? A répondu l'animateur de l'émission Danse avec les stars. Mais quoi est-ce que vous avez fait pour perdre la caution? S'est interrogé son interlocuteur. La maison, on l'a rendue, elle était impeccable, nickel, mais je sais pas, il y a eu un truc, donc ça finit un petit peu l'été un peu moins bien, mais vraiment on a passé un super bel été à chanter des berceuses, a confié le fils Blin et d'Henri Combal. Pas moyen d'en savoir plus sur ce mystérieux incident qui semble avoir fait perdre une coquette somme au mari de Marie. Un nouveau programme pour la rentrée? D'ici quelques mois, Camille Combal pourrait bien présenter un nouveau programme selon Le Parisien. Un nouveau talk show qui serait dans la lignée d'émissions telles que Quotidien, C'est à vous ou encore Quelle Époque qui débattent sur l'actualité. Ce programme devrait être diffusé à partir de la fin du mois d'octobre, après la Coupe du Monde de rugby. Une rumeur que Camille Combal a évoquée lors de son passage dans On refait la télé, confirmant en effet travailler sur un nouveau projet mais qui n'est qu'à ses prémices et qui ne pourra jamais voir le jour au mois d'octobre, le délai étant bien trop court.